La recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Pourquoi sommes-nous sur terre? À partir de « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Pourquoi sommes-nous sur terre? Qu'a voulu Dieu en nous créant? Voilà l'ultime question. A-t-il voulu partager sa divinité par amour? Nous jugera-t-il à la fin des temps sur nos actes ou bien sur notre foi, laquelle n'a pas de sens si elle n'est la mise en acte de ce que nous prétendons croire? La question pour l'instant est sujette à opinion, de même que le bien fondé de tous les dogmes et croyances que, je veux le croire, les plus saints d'entre nous ont érigé en indicateurs pour guider l'humanité sur le chemin de la vie éternelle. Le chemin qui conduit à entrer dans la vie éternelle, Sainte Thérèse d'Avila l'appelait le chemin de la perfection. En revanche, entendre que Dieu, notre Père, a donné à la matière puissance de vie, d'intelligence et d'amour, dès la création de l'univers, me semble une approche simple pour nous faire comprendre que notre vie terrestre sert à prendre nos distances avec notre corps. Revient à nouveau la question, mais alors pourquoi Dieu a-t-il créé ? Se contenter de répondre sans davantage perdre son temps. Pourquoi nos parents nous ont-ils mis au monde? Sans chercher plus loin. Et veiller en attendant d'y voir plus clair, à devenir chaque jour un peu plus homme, en s'appliquant à maîtriser ses instincts et à faire les œuvres que le Père attend de nous. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.